Mais que faire quand le monde lui-même est hostile? Maintenant, je le sais. J'aimerais remonter le temps pour me donner la réponse. Mais je n'étais pas prête à l'entendre. Salut à tous, c'est Sébiol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau let's play. La prévenue est accusée de tentative de vol. On est sur Force Pokémon. Et tu l'as plaidé non coupable, votre honneur. Je vois. Retirez-lui ses menottes. Bien, pour commencer, permets-moi de te rappeler que t'en es pas à ta première incartade. Loin de là. J'avais pas vu ça depuis un bail. Ça me met pas en valeur. Rien de tel que de bons souvenirs. Tu fais quoi, Frey? Vol au premier degré? C'est vraiment toi, ça? Non, c'est que j'avais besoin d'argent pour... Laissez tomber. Tôt ou tard, il faudra bien que tu assumes la responsabilité de tes actes. Est-ce que tu connais la loi contre les récidives multiples, aussi appelée loi des trois prises? Vous avez pas le droit. J'ai agressé personne. Si, toi-même. Tu as déjà eu 2 condamnations pour vol. Avec celle-là en plus, on arrive à un total de 3. Ça suffirait à te faire enfermer pour très longtemps. Tu as tellement de... Potentiel ? Alors j'ai bien mieux à faire de ma vie ? Et je suis promise à un bel avenir ? J'allais dire que tu as tant de rage et d'amertume en toi que je sais même pas si t'arriveras à t'en sortir du tout. La vérité blesse. Mais, comme les fêtes approchent, je te fais un cadeau avec un peu d'avance. Tâche de pas le gâcher. Je te relâche sous condition, à savoir 120 heures de travaux d'intérêt général. Merci. Vous le regretterez pas. La prochaine fois que tu seras devant moi, je serai pas si clémente. Compris ? Bien. Tu peux y aller. Après, une dernière chose. Bon anniversaire en avance. Il n'est jamais trop tard pour mettre tes talents au service des autres. J'ai eu chaud. Cette juge m'a sans doute sauvé la peau. J'aurais pas 2 fois cette chance. Hé, excusez-moi, votre portable. Mince alors. Oh, eh bien, merci beaucoup. De rien. Ça arrive à tout le monde. Vous me sauvez la vie, croyez-moi. Passez de bonnes fêtes. Ah, joyeuses fêtes. Je dois retrouver Homer. La pauvre, elle doit avoir faim. Je dois rentrer directement. Alors, on est parti.
Alors déjà, premier petit défaut, on voit que les PNJ au niveau de la synchronisation labiale, c'est pas ça, et c'est pas très très beau. Donc on va voir ce que ça va donner in-game. Bon, par contre, Freya, elle est jolie quand même, hein, on va pas se mentir. Alors, je déteste ce froid. Il faut que je me mette au chaud. Comment dire ? J'ai entendu beaucoup de critiques. J'ai entendu beaucoup de points positifs. Donc on va se faire son propre avis. J'aime bien faire les jeux par moi-même avant de dire si c'est bien, si c'est mal. Jamais mettre les pieds dans un tribunal. C'est pas que c'est mal, c'est que je n'aime pas. Alors, on va voir ça par nous-mêmes. On va découvrir un petit peu. Là, on est parti pour une bonne petite heure, je pense. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, un peu cinématique. Salut. Au revoir. Oh, merde. Oh, vrai. Tu pensais qu'on te retrouverait pas? Tiens, Lisa? Sérieux? C'est pas elle, Lisa? Elle, c'est Chrissy! Ah, faut dire, t'as pas vraiment une tête à t'appeler Lisa. Où est-elle? Oh, je l'ai pas, ok? Y a eu des complications. J'ai pas choisi de me faire choper en train de tirer cette caisse, mais c'est comme ça. On n'aime pas les complications! Tu grilles tes dernières cartouches! Ouais, on m'a déjà dit ça aujourd'hui. Ramène la caisse. Ici. Ce sera difficile. Elle est à la fourrière. Et elle a quoi de si spécial, cette voiture? Ça, c'est pas ton affaire. Notre boss, Monsieur Jigan, est vraiment très fâché. Alors si tu la retrouves pas, un de nous va devoir le payer très cher. J'ai le droit de choisir qui? C'est ça, rigole. On laissera ton cadavre dans cette putain de ruelle, et je te promets, tu manqueras à personne. Personne. Ok, dis à ton boss, monsieur... Chicken... Jigan. Gitan. Jigan! Ok, Jigan. Dis-lui juste que j'ai besoin de temps... Mais, pour l'instant, voilà quelque chose. Dégage! Dégage! Victor, frère! Je vais déplacer ta salle, petite gueule! Et me balancer une brique! Victor, frère! Alors, courez. Putain, frère! Ramène ton cul ici, frère! Pas question de faire demi-tour. Oh, ça va? Oh, merde, je dois filer, je suis désolée. Faut que je trouve un moyen de sortir. Ouais, ça sert à rien de fuir, tu sais. C'est peut-être plus sûr par la ruelle. Mais ils vont pas lâcher l'affaire? Une fois dans la rue, j'arriverai peut-être à les semer. J'y suis presque. Où est-ce qu'elle est? Hein? Alors, réponds-moi, bordel! Où est-ce qu'elle est? On te retrouvera, frère! On va te cramer! Ta merde! Thank you.
Homer doit être en train de m'attendre. Je ferais bien de rentrer avant de geler. Alors, les archives. Ouvrir les archives. Elle aime pas ça, mais... c'est tout ce que j'ai. Je me demande où est Homer. Tunnel Hollande, la grande scène de disparition de mes parents. Comment on peut abandonner un nouveau-né dans la rue? Au moins, c'était pas près du tunnel Queens Midtown, parce que là, voilà le nom de famille. Mon super kiff. Je passerai ma vie à vous regarder. Oh là là. Alors, je sais que les débuts de jeu, en général, c'est tout le temps long. Il faut pas abuser. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Si seulement je pouvais trouver Sterrier et tomber au Pays des Merveilles. Encore une cinématique, hein. Encore et toujours. Je peux enfin repartir à zéro. Ça m'aura pris un bail. Salut, Homer. Désolée d'être à la bourre. Je t'ai manqué? Oh, c'est gentil, mais mon anniversaire n'est que dans quelques jours. Tu sais quoi? J'ai bien failli l'oublier. J'ai vraiment pas arrêté. Oh, tu vois le genre. Oh, plein de trucs à régler. Sortir de tôle, affronter des dragons... Je le répète pas, mais je suis une personne importante. Ouais, très importante. Tout le monde a besoin de moi. Tu sais quoi? On va se tirer de cette ville, Homer.
Loin de tous ces salauds, de cette merde, ouais, de tous ces keufs, je... J'ai ce qu'il faut pour tout recommencer. Ouais. Je te promets qu'on ira là où on aime les chats. Même ceux comme toi. Oh, bordel. J'ai juste envie de soleil. D'un grand bol d'air. Plus de poursuites. Plus d'embrouilles, plus de flics. Demain. Plus qu'une nuit, et on se tire d'ici. Je supporte plus cet endroit pourri. Faut qu'on sorte d'ici! Je dois d'abord trouver Homer. Homer! Viens, mon bébé! D'ici, tout de suite. Non, non, non! Oh. Putain, le sac! Par la fenêtre. Oh. Oh. Putain d'enfoiré! L'incendie qui a ravagé un bâtiment abandonné de Hell's Kitchen à Manhattan était bien d'origine criminelle. Les flammes n'ont heureusement pas fait de victimes. La police soupçonne les membres d'un gang local. Mais les suspects restent introuvables. Désolée, ma belle. Vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. Vous êtes allergique? Quoi? Au chat. Vous êtes allergique au chat? Non, j'adore les chats, mais... Tu as des problèmes? Écoutez... Elle aime les trucs mous. Que ceux en sachet. Pas la pâtée. Elle a besoin d'un endroit où dormir. Et d'une caresse de temps en temps. Et il lui faudrait un bain, mais bonne chance pour ça. Frey, qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelle Homer. Promettez-moi de veiller sur elle. Promis. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il y a de mieux. J'ai besoin de temps pour régler quelques trucs. Mais je reviendrai la chercher. Seulement,
Ça risque d'être long. Fred, attends, tu sais, si t'as des ennuis, je peux t'aider. Joyeuse fête. Bon, Homer est à l'abri. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bon, alors ça fait... Ça fait combien de temps là ? On est à 20 minutes. Et on a 18 minutes de cinématique déjà. Fin de la course. Je vous avoue que j'espère que le jeu va pas être comme ça tout le long. Parce que ça va être très très chiant. Merci maman. Parce que là concrètement pour l'instant on n'a rien fait. Hein. Sur 20 minutes on n'a rien vu. Hein. Récupérer Homer, enfin sortir de... C'est quoi ce truc-là ? Il est magnifique. Non, je peux pas entrer par là. Il doit y avoir un autre moyen. Non, vraiment personne à l'intérieur. Non mais sérieux ? Qui a laissé un truc comme ça ? D'autres choses, non. Alors là, waouh. C'est long, hein. C'est long. Ça y est, on peut jouer maintenant. Alors, je ne peux pas courir. Je ne peux pas sauter. Bah, j'aimerais bien sortir.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? La vache, il y a un sacré courant d'air. Qui est là? Donc tu n'as pas atterri, enfin, pas sur ce que tu appelles la Terre. Joue pas à ça, connard! Où est-ce que tu te caches? Tu ne me vois pas. Pourtant, je suis là. Plus voyant, c'est impossible. Elle ne me voit pas. Mais t'es où? Juste ici, à l'extrémité de ton bras. Tu sais, le truc que tu as vainement tenté d'enlever? Enfin, tu es peut-être plus futé que tu en as l'air. Non. Si. Non. Si. Celui en train de me parler, là, c'est ce bracelet. Poucrave? Poucrave? Ça a un lien avec Entrave, c'est ça? Bracelet Poucrave. Bracelet, c'est réducteur. Et ce son, crave, c'est laid. Non, je suis ton bras droit. Non, c'est complètement barré! Ah, mais c'est pourtant la vérité! Arrête, tu me fais mal! Aïe! Sérieux? Non. Mais ce que tu fais est parfaitement inutile. Oh, comment c'est possible? Eh bien, dis-moi, que faisais-tu avant que tout cela se produise? J'allais... Peu importe. Je suis là. Qui que vous soyez, stoppez ça. C'est une blague de très mauvais goût. Je me casse. Tu ne peux pas partir sans moi. Je suis littéralement attaché à toi. Si on prenait le temps de s'asseoir pour discuter un peu tous les deux, on pourrait parler de ce qui nous intéresse dans la vie, par exemple. J'entends rien du tout. Alors, parce que là, je vous avoue que ça commence déjà à me gaver. Juste un mauvais rêve. Attention de ne pas trébucher. Parce qu'en plus tu vois les choses. Tout ça c'est pas réel. Écoute-moi, Frey. Mais bordel, d'où tu connais mon nom? Nous sommes unis. Unis? Comment ça, unis? C'est quoi ce délire? C'est... Non, désunis-toi. Désunis-toi maintenant. Comme tu le vois, nous ne pouvons nous séparer l'un de l'autre. Et tu es la seule à m'entendre. Ça suffit! Ça suffit, tais-toi! C'est juste n'importe quoi! Frey, ralentis, il faut que tu m'écoutes. Non, ce qu'il faut, c'est que je trouve le moyen de rentrer. Je voulais fuir, mais c'était une erreur. J'étais dans un endroit pas terrible. Mais ça pourrait être encore pire ici, tout est question de point de vue. C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire... Silence. Quoi? Cache-toi. Waouh. Mais c'est quoi? Par contre, ça c'est dragon. Il ne faut pas qu'il te voie. T'es sérieux? Alors qu'il est, cette créature est déjà loin. Et de plus... Quoi? Tu ne tiendras pas longtemps si tu ne manges rien. Bien. Et tu peux m'expliquer ton plan pour nous faire sortir?
Je pense que le meilleur moyen serait d'escalader ce mur là-bas. Bon, mais si on est en lien? Petite correction, lié. Peu importe, si on est coincé ensemble, il va falloir m'éclairer. T'éclairer? Tu es qui? Je suis ce que tu vois. Génial, et je suppose que tu m'en diras plus si je résous la troisième énigme. Je ne te suis pas. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu faisais à rouiller dans cette vieille boutique? Bonne question. Je me la posais moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de visiter la Terre, je me trouvais ici, à Atia. Attends, quoi? Ça veut dire que c'est ta faute si je me retrouve ici? Je ne te permets pas. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et pour tout dire, j'aspire autant que toi à savoir ce qui nous a amenés ici. Alors, ça, c'est extrêmement chiant, c'est que... Et est-ce que on tu peut as pas bouger, ça parle. Moi, ça... j'aimerais bien avancer, en fait. Ça? Ça, ce truc parlant? Dans mon souvenir, non. De quoi tu te souviens? On est à quoi, une demi-heure, là? J'ai voyagé jusqu'ici. Un peu plus? Je ne viens pas d'Atia. Tout comme toi, je de suis bien. Un étranger. À mon arrivée, l'agitation régnait entre les Tantas. Encore rien fait pour l'instant. Mais rien. Les Tantas, les quatre femmes très puissantes qui régnaient sur Atia, chacune avait une aptitude spéciale. Genre quoi? La magie, un truc comme ça? Si par magie tu entends la capacité à me transformer en objet inanimé, alors oui. Ça, je m'en fous, tu vois. Par tous les cieux, quel est ce drôle d'objet? C'est un smartphone. Ça sert pour les textos, les appels, les jeux, les vidéos, les selfies. Et te fatigue pas à me demander ce que c'est. J'ai pas l'intention de te l'expliquer. Je sais ce qu'est un selfie. Vraiment? En fait, non. Qu'est-ce que cette chose peut faire d'autre? Il y a aussi un GPS qui, d'habitude, m'indique exactement où je me trouve. Et tu te trouves où? Quelque part entre le purgatoire et l'enfer. Il t'a indiqué ça? Absolument. Bon, c'est bon? Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Bordel, mais c'était quoi ça? L'un de mes talents, en quelque sorte. Il semble y avoir des habitations plus loin. Voyons si on peut s'y reposer. Et comment tu le sais? Tu es devin. L'étendue de mes compétences est presque illimitée. Je suis ton bras droit, tout de même. Alors, c'est ça, Atia? Junoun. Junoun? Mais tu m'as dit que... Atia, grande échelle. Junoun, petite échelle. Junoun est une partie d'Atia. Pigé, comme la ville de New York et l'état de New York. Exactement. Enfin, je crois. Je ne sais pas ce qu'est Newark. Non, pas Newark, New York. Il y a une différence? Environ 1 million. Ok. Et encore une cinématique, non, c'est pas possible, hein. Moi ça va pas le faire. Hein.
Ça va pas le faire. J'aime bien qu'on s'y fluide, en fait. Hey, salut, toi. Méfie-toi. Bah alors, tu te caches? Ce n'est pas une bonne idée. Continuons d'avancer. Pourquoi cette pauvre bête te fait autant flipper? Quoi? Wow! Parce que les apparences sont trompeuses. Tu me le dis maintenant? Merde! Alors, ne reste pas planté là! Cours! Alors, appuyez sur R2 pour lancer une attaque magique. Maintenez R1. Qu'est-ce que c'est? Ne commence pas à paniquer! Qui fait ça? Eh bien, avec mon aide, c'est certain. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est nous. J'ai déplacé un truc par la pensée. Notre connexion a peut-être réveillé certaines aptitudes qui... Je viens de déplacer un truc par la pensée? Nous venons de déplacer. Alors j'ai déplacé ce putain de truc par la pensée? Ouais, ok, c'est dans mes cordes. Je fais de la magie, je parle au bracelet, je tue des monstres, et tu sais quoi? Je vais bientôt voler. Là, tu en deviens ridicule. Oh, je vais trop loin. Ok, je m'arrête là. Si tu maîtrisais ces nouvelles aptitudes, avec mon aide, bien sûr. Mais t'as vu comment j'ai éclaté cette énorme bestiole? Oh, putain, je vais massacrer du monstre! Ok. Ok, je peux. Tu sais qu'il n'y a personne. Et on est encore coupé. Est-ce que je peux avancer? S'il vous plaît. Merci. Wow. Il se passe quoi avec les animaux ici? Ils semblaient quelque peu altérés, non? Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle mutation? Ouais, je me demande ce qui a pu se passer ici. Je vais pas laisser passer ça. On va commencer à goûter. Ok, je récapitule. Je suis dans un endroit qui n'est pas ce que j'appellerais la Terre. Je vois des putains de dragons et... Ah, oui, je suis en train de parler à un putain de bracelet. À ton bras droit. Est-ce que je peux monter? Non. Très lent. Si
cinématique. C'est quoi cette drôle de sensation? On dirait qu'une sorte de miasme nuisible flotte dans l'air. Ok, je fais demi-tour. Mais ça ne semble pas t'affecter, non? Et puis je doute que revenir sur tes pas est un grand intérêt. Mais alors, ce miasme, c'est quoi exactement? C'est curieux, n'est-ce pas? Ce pourrait être la cause des particularités de la faune sauvage des environs. Alors pourquoi ça n'a pas d'effet sur moi? Excellente question. Cela tient peut-être au choix fort judicieux de ton compagnon de voyage? Non, pas moyen. C'est sûrement pas ça. Juste un tas de rails. Cet endroit a l'air abandonné depuis longtemps. Je me demande depuis quand c'est dans un état pareil. Nous devrions peut-être aller chercher ailleurs. Il y a un truc là. Il fait frais, mais c'est chaleureux ici. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, oublie. Nous avons l'avantage. Tant pis pour le soleil et le grand bol d'air. J'essaie de me tirer pour un meilleur endroit et où j'atterris? Dans un coin 10 fois pire. Ma pauvre. Et cinématique. Et forcément, il y a toujours plus gros. J'ai trop de chance. Pas mal. Merci, professeur. Je t'ai dit que j'étais ton bras droit. C'est ça, Poucrave. Je peux avancer. Merde! Il vaudrait mieux fuir cette fois. Sans déconner. C'est génial! Ça, c'est du saut qui déchire! Très impressionnant. Essaie peut-être de ne pas te tuer tout de suite avec des sauts qui déchirent. Je cours à toute vitesse et je suis même pas fatiguée! Tâche tout de même de ne pas trop t'emballer.
C'était chaud. Cinématique. Et on est où maintenant? Une ville importante, semble-t-il. Eh oh! Y a quelqu'un? Répondez-moi si vous m'entendez. Silence total. Continuons donc à chercher et tâche de trouver un endroit pour te reposer tant que tu y es. Voyons par là-bas. Carte. Ouais, mais ça, je m'en fous. Alors, menu carte, j'ai rien compris. Carte. Ah oui, d'accord. Ok, bon, bah... Il ne reste vraiment personne ? Il semblerait que non. Peut-être que cette curieuse atmosphère les a poussés à fuir vers d'autres cieux. J'espère. Ça voudrait dire qu'ils sont encore en vie. Y aller indéfiniment. Tiens-toi prête à te défendre. Ouais, je vais t'utiliser. Banal, mais pas inutile. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Cet endroit est pas seulement désert, il est aussi... malsain. Ah, peut-être un lien avec les étranges créatures qui rôdent un peu partout. C'est... Regarde, là-bas. C'est bon, j'y vais. Eh ben, c'est fun cet endroit. Ça l'était sans doute autrefois. Partout des visages heureux et souriants. Quelle belle image. La vache, tout a l'air complètement brisé. Cette description n'est guère poétique, mais assez juste en effet. Y a pas un endroit épargné par cette putain de brume? J'imagine qu'un tel endroit existe. Ok, bon, bah écoutez. Ça s'annonce mal. En effet, et après ce qu'on a déjà vu, je te conseillerais d'être très prudente si tu veux aller voir ce qui se passe. C'est quoi ça? Ça aussi, c'est à cause de cette putain de brume? Je le crois, en effet.
Elle corrompt tout ce qu'elle touche avant de le détruire. Intégralement. Alors sors vite d'ici tant que c'est possible. Putain, je fais quoi maintenant? Je crois que le mieux serait de fuir. C'est déjà trop tard. Il doit avoir un... Chier. Attention, il est sur le point de te mordre. Ouais, tu disais? Même les meilleurs font des erreurs. C'était juste... Je crains que la santé de notre ami reptilien ne soit nullement entamée. Wow, t'as vu ça? Récolter les fruits de son labeur est si gratifiant. Ça sent vraiment pas bon. Je me trompe? Probablement pas. Tu devrais chercher à te mettre à l'abri. Vite! Il était temps. Beau travail, acharne-toi. Laisse-moi deviner, faut que je me mette à l'abri. Et vite. Reste calme, anticipe son prochain assaut. Héros effet. Tu n'es pas si mal pour une mèche. Hey, tu veux te battre à ma place? Voilà, ne t'arrête pas! Veille à ce que je ne sois pas... raflé. Et c'est reparti. Thank you.
crois qu'il est mort, le dragon? Bon, il a été écrasé par tous ces débris. Il n'y a pas de danger immédiat, on dirait. Il faut espérer que ça dure. Alors, je vais quand même essayer de récupérer des choses. Parce que... Cinématique. Quoi? Il n'a pas une égratignure? Comment c'est possible? Gentil. Gentil. Il y a guère de quoi se mettre à l'abri. Espérons que notre ami le dragon ne nous projette pas à nouveau son rayon mortel. Oh, ça s'arrête jamais. Mais non, il est parti où? Très loin d'ici. Espérons-le. Frey, tu dois te placer devant lui, maintenant. Quoi? Tu veux ma mort, sérieux? Il y a un endroit où il ne te verra pas, c'est sûr. Oui, montre-lui ce qu'il en coûte de s'attaquer à ton bras droit. Ah ! Putain ! Continue, ne perds pas cette occasion. Je vais mourir. Nulle part où aller, hein? Je suppose que c'est fait exprès. Peut-être? Ouais! Que cette saloperie me lâche! Mais si tu tombes d'ici, eh bien tu meurs! Je vais mourir de toute façon, crétin! Voilà qui est palpitant!
Est-ce que ça va? Ouais, on dirait. On dirait qu'il y a une ville là-haut. Espérons qu'elle soit pas abandonnée. Nous ne le saurons jamais si nous n'escaladons pas. Cinématique. Oh, oh, hé, hé, je suis là. Oh, on est sauvés. Ou pas. Hein? Sérieux? Avance, monstre! Hé, hey, c'est qui que tu traites de monstre? Le monstre parle! Ouais, évidemment que je parle, et pointe pas ton truc sur moi, du con! Avance! C'est bon! J'avance! On est où, là? Dans la ville de Sipal. Pourquoi il parle ma langue? J'ai constaté qu'il existait des similitudes entre les langues de différentes dimensions. Ok. Tant que j'ai une réponse, ça me va. Silence! Avance, démon! Laissez-moi partir! Oh! Ah, doucement! Silence! Silence! Qui es-tu, petite? Et vous, alors? Fais preuve d'humilité et réponds à leurs questions. Ça va, je gère, arrête de jouer les petits chefs. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Des embrouilles, j'en ai connu bien d'autres, et des pires, tu vois. Alors ferme ta grande bouche dorée et laisse-moi discuter. Regardez, elle parle à des êtres invisibles. Elle s'est accoquinée avec des démons. Quoi? Non, et c'est quoi ça, accoquiner? Je souhaite entendre la réponse à la question de la conseillère Bellette, petite. Je m'appelle Frey Hollande. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je suis épuisée, affamée, et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ces vêtements sont étranges. D'où vient-elle donc? D'un autre monde. Vous voyez? Elle vient du monde infernal, sinon elle n'aurait pas survécu à la corruption. Petite, comment as-tu réussi à sortir de la corruption de Junun indemne? Je ne dirais pas vraiment indemne. C'est simplement parce qu'elle et la corruption ne font qu'un, mes amis. Nous devons l'exécuter immédiatement. Mais quoi? Non, c'est du délire. Je sais même pas ce que je fais ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Elle pourrait nous aider. Qui souhaite s'adresser au conseil? Pardonnez-moi, je suis Odenkin. Le seul tort de cette femme est d'avoir survécu sur les terres corrompues. Elle a beaucoup à nous apprendre. Elle ne connaît de nous que nos armes. Montrons-lui que nous savons aussi être bienveillants. Le diable acceptera votre clémence et plantera ses crocs pour répandre le venin de sa corruption dans vos veines. Débarrassons-nous de cette étrangère au plus vite. Conseillère Bellette, je vous en prie. Odenkin, comme le conseiller Djenech, ont fait valoir de solides arguments. Le conseil est divisé. C'est pourquoi il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui. Mais... sois prévenue, petite. Si tu deviens une menace, nous devrons t'éliminer. Conduisez-la à la tour de Binoy. S'il vous plaît, conseillère Bellette, c'est une cruelle sentence. La séance est close. Elle n'a causé aucun tort. Ah, mais la tour de Binoy, c'est quoi la tour de Binoy? Je pense que c'est une prison. Je vous en prie. Hein? Quoi? Pas question d'être encore enfermé. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Ne me touche pas, connard. Non. Ok.
Debout. 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 Debout, allez, lève-toi! Écoute, je suis prisonnière d'un cauchemar à des millions de bornes de chez moi. Alors, laisse-moi crever en paix. Si tu meurs, ils se débarrasseront de moi comme d'une vulgaire babiole. Je m'en fous de ça! Juste, laisse-moi tranquille! Tu sais quoi? C'est pas ma faute tout ça! C'est ta putain de faute! Et dis-moi, en quoi c'est ma faute? Tu peux fermer ta gueule? Bien. Très bien, ça me va, je n'ai rien contre le silence. Fantastique. Si tu la fermes pas tout de suite. Bien. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu vois, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Je pensais pas regretter Hell's Kitchen et son tribunal. On a une heure de jeu. Et je vous avoue que sur une heure, on a joué quoi, 10 minutes? Je trouve ça très très long au niveau des cinématiques pour l'instant. Donc, on refera un épisode, je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas convaincu, mais pas du tout. Putain, y a rien à faire. Mais vraiment pas. Donc, là, je vais voir. Vous voyez, regardez, on a encore rien fait. Ce malheureux saut aurait-il contrarié. Cinématique. Non, lui non, mais toi oui. À cause de toi, je peux pas rentrer à New York. New York. C'est vraiment si dur que ça à retenir? Oh, à peu près autant que bras droit. Si je me souviens bien, tu n'étais pas vraiment au mieux de ta forme quand je t'ai rencontré. Je compte. Tu sais quoi ? Que là, les dialogues, je te déconseille du type. Pourquoi ? Soit, mais il te pendrait pour hérésie. Comme à Salem ? Suis-je censé comprendre ce que tu... Écoute, on a déjà essayé ta méthode, là on va faire comme je dis. C'est moi qui ai fait ça? Vite, enfile ça! Qui est là? Je... Ok, c'est fait. Toi... Tu es celle qui... Pourquoi tu fais ça? Parce que je te crois. Comment t'as fait pour passer les... J'ai préparé un gars. Faut pas se fier aux apparences. Allons-y avant... Attends! Ok, bon. Elle t'a Pas faux. En tout cas, où qu'on aille, il me faut à bouffer. Voilà qui était une... Tu trouves aussi? Tu as dit quelque chose? Quoi, de cinématique, tu la cinématique en fait. Hein. C'est trop de blabla là. C'est trop de blabla. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on n'hésite pas. Hein. T'es sûr que c'est une bonne idée? On met un petit pouce bleu, un petit commentaire, voir ce que vous en pensez aussi. J'aimerais bien savoir vos retours pour ceux qui l'ont fait. Je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle injustice. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!